Bonsoir et bienvenue à tous. Pour ce tout dernier numéro de la saison 1 de votre magazine Au cœur 2, je vous emmène au cœur du stade Michel Walter à Strasbourg en Alsace pour suivre ensemble le tournoi de foot des U9 organisé dimanche dernier par l'équipe du cercle sportif Neuhof où 32 équipes de très très jeunes joueurs âgés de 7 ans et plus ont répondu présent pour participer à cette première historique pour le club de foot et pour tenter ainsi de pouvoir remporter un trophée, celui de la MS Cup mise en jeu sur place. Laquelle de ces équipes va-t-elle remporter la compétition? L'un des groupes des U9 du CS Neuhof va-t-elle remporter une victoire à domicile? Toutes ces réponses dans les prochaines minutes. Entre rire, joie et émotion, CS Neuhof, mon club magique, épisode 4, signé par les équipes d'IA1. Dimanche dernier, tôt dans la matinée, s'est déroulé le tournoi MS Cup, organisé par le club sportif du CS Neuhof depuis la ville de Strasbourg, réunissant de très jeunes joueurs, âgés pour la plupart de 5 ans et plus. Lors de ce tournoi, 5 équipes neuvoises étaient en liste avec d'autres équipes venues des 4 coins de la France et qui ont répondu présent. Une journée qui a débuté à 9h30 du matin avec les premiers matchs, les fameux matchs de poule, d'une durée de 13 minutes chacun, avec des supporters qui ont exceptionnellement fait le chemin pour soutenir les différentes équipes. Nous avons par ailleurs pu suivre l'un de ces matchs, le Neuhof qui a affronté l'équipe FEG d'Ilkirch Grafenstaden, cette rencontre qui a été remportée par le CS. Allez, tu finis, hein ? Allez, après avoir vibré lors de ce premier affrontement de la jeune génération des U9, l'heure est désormais d'aller faire une pause dans le tournoi pour prendre des forces grâce aux stands de boissons, de gâteaux et de barbecue mis en place par les bénévoles qui font eux en sorte chaque jour, grâce à leur aide si précieuse, de faire exister le centre du CS. Durant cette pause, nous avons également aussi rencontré plusieurs jeunes joueurs et un arbitre de l'équipe du CS Neuhof où nous leur avons demandé comment se passait leur journée et s'ils sont prêts à tout donner pour pouvoir remporter le trophée. Ça va, c'était dur, mais j'y crois encore. J'espère qu'on va aller plus loin. Bien, bien, on va essayer de gagner la petite coupe. La petite coupe, si on peut. On essaie d'aller loin. Je passe une agréable journée en participant à ces tournois, en arbitrant. Après, je suis venu prendre du plaisir et que les autres enfants prennent aussi du plaisir à jouer. J'attends que le Neuhof gagne le tournoi. S'il pourrait le gagner, ce serait bien. C'est là où on a bien joué. On a fait un match nul et deux gagnés. Juste avant de reprendre le jeu, nous avons pu discuter avec deux bénévoles à la table de marque qui eux s'occupent de récupérer les résultats et d'établir le chronométrage de chaque rencontre, comme ils nous l'ont expliqué. En fait aussi on est à la table de marque, donc Mika mon vieux, table de marque avec Frank Klaus qui est partout d'ailleurs, hein, qui est toujours partout, qui est au futsal, foot à 11. C'est l'encyclopédie, la bible du football, des lois du foot, des lois du jeu. Et donc on est à la table de marque, les scores, on donne
de chaque rencontre, toutes ces finales de chaque rencontre, on note et puis ça se met à jour sur l'application. Voilà. Allez, l'heure est désormais au retour de la compétition et comme premier match de l'après-midi, celui de l'équipe du CS Neuhof 1 qui fait face au CS Neuhof 3, un match remporté par l'équipe 1. Allez, allez, je le regarde. Ah, ouais, personne. Je le regarde ou quoi? Allez, allez, allez. Allez. Oui, Lady. Allez, allez, faut pas laisser tirer. Super, bien, bien. Nous avons par la suite pu avoir la réaction de l'un de ces jeunes joueurs qui a remporté ce match. Très bien, un petit peu compliqué mais on l'a fait. Très bon, ils étaient. Après ce premier match de l'après-midi, il est désormais déjà l'heure de faire place aux phases finales de la compétition avec les huitièmes de finale du tournoi. Et sur les 5 équipes du Neuhof, 2 sont toujours en exercice et nous avons pu suivre pour ces 8e de finale l'équipe 3 du CS qui a affronté les joueurs FC Framing, un match remporté par les Neuhofois 2-1. Citroën AV793 HL Twingo Grise. Reichshoffen 1, 1-1. Terrain numéro 2, terrain numéro 3, ASBTT, Vauban. Après cette victoire des joueurs du CS, partons dans les quarts de finale de la compétition avec le Neuhof qui a affronté Montbéliard. Vous êtes bien, À la suite de ce match, nous avons pu recueillir une réaction des joueurs rouges de Montbéliard après leur victoire. J'ai cru que j'allais perdre le match et je suis très très contente d'être en demi-finale. Très stressée avant le match. C'est Montbéliard. On a fait 3 heures de route pour ça, pour ce tournoi. On a fait 3 heures de route et on est qualifié en demi-finale. Après cette défaite et l'élimination de l'équipe du Neuhof, les joueurs ont eux été réconfortés par un message fort. Mais maintenant, vous avez fait un après-midi de fou. C'est vrai ou pas? Vous êtes fait plus place aux demi-finales. Moi, je suis venu cet après-midi, j'ai vu. Vous m'avez fait du beau jeu. Wes, Milan, Lenny, Ilyes, Maël, Ayoub. Vous avez très très bien joué. Mais le foot, c'est comme ça, on peut pas. D'accord? Lui il a loupé, une fois c'était un autre, une fois c'était un autre, c'est ça, d'accord? Sinon, vous êtes très bien, on est fiers de vous, les parents et les coachs, d'accord? Venons. Ici ça! Juste après ce match, Montbéliard a elle affronté une autre équipe des joueurs du CS pour la demi-finale de la compétition, un match remporté là aussi par les joueurs rouges. Après cette défaite, l'équipe du CS Neuhof ont eux été ovationnés par Montbéliard. Dernier moment fort et très attendu de cette journée depuis le stade Michel Walter, la tant attendue finale qui oppose l'équipe 1 du Neuhof face au FC Olympique Strasbourg-Königshofen d'une durée de 2 fois 8 minutes, soit 16 minutes en tout. Thank you.
arbitré par Youssef. Youssef, mon vieux. Les masques pour la lutte. Des matchs comme ça, vous en vivez pas beaucoup. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne, les gars. Déjà, bravo, bravo d'être arrivé en finale. C'est votre tournoi, vous êtes chez vous, les gars. Donc, il faut la gagner. D'accord ? Et bravo à vous, les gars. Et c'est ça ! Non ! Un match de finale remporté haut la main par le Neuf, 4 buts à 2. Tout de suite après ce match, nous avons eu la chance, l'honneur et le privilège d'avoir les premières réactions à chaud des heureux gagnants. On a gagné, c'est une belle finale. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a gagné. T'as fait quoi dans la finale ? J'ai mis un doublé. Et t'es content ? Oui, très content même. Moi, j'ai bien aimé comment on a joué, comment on a fait tourner le ballon et comment on a marqué des buts, on s'est créé des actions et on a gagné. Ici, c'est Neof. Les joueurs et les arbitres ont reçu un cadeau pour les remercier de leur parcours et d'avoir répondu présent pour ce premier tournoi organisé par le Cercle Sportif Neuf. Chapeau à vous les gars. Bravo. Prisonni par Rougi, président, et Christian, encore un escape. Pour terminer cette immersion au cœur de l'équipe du CS Neuf, nous avons rencontré Rougi Haddad, le président du club, qui nous en a dit un peu plus sur celui-ci. On est passé de 135 licenciés l'an passé à 410. Comment ça se fait qu'il y a eu cet élan d'inscription dans notre club? C'est parce que il y a eu un nouveau souffle au sein du club et beaucoup des amis à UXL, de mes amis, se sont investis dans le club. Et d'ailleurs, on les en remercie. On est passé de 135 licenciés l'an passé à 410. Comment ça se fait qu'il y a eu cet élan d'inscription dans notre club? C'est parce que il y a eu un nouveau souffle au sein du club et beaucoup des amis à UXL, de mes amis, se sont investis dans le club. Et d'ailleurs, on les en remercie. Tous les dirigeants, entraîneurs, encadrants, bénévoles. Actuellement, en termes de dirigeants, on est 51 dirigeants et coachs. Donc pratiquement toutes les équipes ont deux... un entraîneur et un dirigeant. On est très fiers de ce côté-là. On a fait passer à nos éducateurs des formations
Donc CF1, CF2, CF3. En tout, 18 de nos coachs se sont formés. Donc on est très fiers de ce travail-là. On a formé également 3 arbitres. Donc on est passé de 2 arbitres à 5 arbitres. Donc on est très content de cette performance, on va dire. Notre grosse fierté aussi à moi et Yuxel et à toute la direction, c'est d'avoir créé 2 équipes féminines. Donc nous sommes au sein d'une association qui est inclusive, qui intègre tout le monde. Tout le monde est le bienvenu, de 7 à 77 ans, je dirais même de 5 à 77 ans, parce qu'on a des bénévoles qui ont presque 70 ans et des petits qui jouent au sein du club qui ont 5 ans. Nos plus gros partenaires sont, le principal on va dire, c'est MS Sport, avec à sa tête Christian Richert, que nous remercions beaucoup parce qu'il nous a fortement aidé pour nos équipements et pour le reste, puisqu'il est aussi dirigeant au sein de l'équipe première. On remercie aussi tout particulièrement Koutir Keshab, le président du CSC, Centre Socioculturel. On tenait à remercier la boucherie Tazi. Ce sont des amis, des voisins, des amis, et c'est pratiquement comme la famille. Donc Tazi, le Pizza Le Quartier, exactement pareil, c'est la famille. On en a d'autres, on ne va pas parler de tout le monde, mais merci à tous nos partenaires commerciaux qui nous ont sponsorisés, qui nous ont aidés, notamment Prointer aussi. Donc merci à tous, vraiment merci, parce que c'est eux qui nous donnent la force. Leclerc aussi, exactement. Donc merci à tous pour leur aide et pour nous donner la force. Par contre, je tenais à remercier tout particulièrement tous nos bénévoles. Les bénévoles, les coachs, les dirigeants, surtout les bénévoles parce qu'ils font ça, c'est vraiment un travail de comment dire, assez galère, qui prend du temps. Certains devraient se reposer pendant le week-end et viennent nous aider bénévolement. Moi, je tenais particulièrement à remercier tous les membres de notre club, parce que ce n'était pas évident de reprendre le club par rapport à tout ce qu'on a vécu et d'avoir un surnombre d'un seul coup qui était explosif pour tout le monde et qui nous ravit. On est fiers de ce qu'on vit, de ce qu'on voit, de ce qu'on a comme jeunesse surtout. Et pour ça, je remercierai vraiment tout le neuf. Mais vraiment, que ce soit les parents, jusqu'au coach, jusqu'au président qui est là, qui se donne tous les jours 24 heures sur 24 sur ce projet qu'on a mis en place, c'est qu'une fierté. Donc on est fiers aujourd'hui. On a réussi à organiser aujourd'hui un grand tournoi avec 32 équipes. Il y a des équipes qui sont venues de Montbéliard, de Huningue. On est vraiment fiers d'avoir ces équipes se déplacer jusqu'ici et participer à nos tournois. Et ils étaient tous ravis. Et nous, aujourd'hui, on ne peut que être fiers. Et j'espère que ça continuera. Et voilà, et vive le Neuf. Je dirais vive le Neuf, parce que nous, on est des enfants du Neuf. On a grandi ici. On a nos familles ici. On a nos amis, nos frères. Donc, c'est une histoire de famille aussi, le Neuf. Donc, on ne peut que être fiers. Voilà. Une journée qui restera nul doute inoubliable pour le CS et pour les différentes équipes venues participer à ce premier tournoi MS Cup Neuf, dans lequel nous repartirons avec des souvenirs plein la tête. Et c'est ainsi que se termine ce dernier numéro de la saison 1 de votre magazine Au Cœur 2. Je vous souhaite une excellente soirée et quant à nous, on se retrouve le jeudi 6 juin prochain pour notre édition spéciale consacrée au 80e anniversaire du débarquement français.